Wow! Déjanté, le save! T'es correct? Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, voici en exclusivité les toutes premières images de mountain bike du Mont à Pic. Yes, donc qu'est-ce que c'est le Mont à Pic? C'est pas compliqué, c'est une petite montagne de ski située près de Plessisville sur la rive sud de Québec. Donc aujourd'hui, on a la chance de faire du T-Bar. Sachez que la montagne est ouverte 7 jours sur 7, l'entrée est gratuite pour tous, mais 4 fois dans l'année, le T-Bar va être ouvert, donc on pourra faire de la remontée mécanique. Le centre comporte 7 pistes au total, qui va avoir différents niveaux, et c'est runné par des bénévoles. Donc j'ai rencontré tout le monde ce matin, j'ai serré énormément des poignées de main, tout le monde est super content d'ouvrir la montagne. Ça fait qu'on prend les bikes et on s'en va rider direct là. Thank you. Alors, numéro 4, l'aventurière. Premier run de la journée, puis j'ai la chance de me faire guider par les gars locaux. Ça fait que l'aventurière, on va avoir un petit single track. Faites à la pelle, faites à la main. Donc rien de mécanique, on garde ça le plus naturel possible. Switchback le fun. Oh, il y a quelque chose qui meurt ici à droite. Un petit train avec tout le monde local, c'est le fun. On a notre plus jeune qui nous guide en avant. Moi je prends le guess. That's fun. Oh, la ligne cachée à droite. Oh, shit. Tabarouette. Alors, ok, on tombe dans le naturel. Hein? Dis une petite bleue facile à taper là. Alors, la 6, la sud. J'osais avec les gars ici, puis ils me disaient que c'est tous les anciens noms de pistes de la montagne. Fait qu'ils ont fait un petit hommage à ce qui existait déjà. Là, on tombe dans le tech. On tombe dans le noir. Ils m'ont dit que c'était probablement ce que j'allais apprécier le plus. On va voir s'ils me connaissent. Oh, fait qu'on tombe dans l'ombre. On a des bons virages qu'on peut aller s'appuyer. On passe à côté du T-bar. Ça, c'est fucking cool. Ok, on va pouvoir aller vite aujourd'hui, c'est là-dedans. Oh my god! Oh, 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 le dépassement! Oh,
Aïe, aïe, ça valait 100$. Puis ça valait ça. Magnifique. J'ai fusté Frank, on saute. Il y a viré, moi j'ai passé du vent. Oh, wow. De toute beauté. On va rouler un petit peu tout seul dans les premières pistes qu'on a faites aujourd'hui. Et du vrai trail riding, fait que la 4, l'aventurière. Oh, la pancarte avec l'épaule. Fait qu'une piste 100% faite à la main. Oh! Ah, y a moyen d'avoir de la hauteur et de la vitesse là-dedans. Tu sais, je vois le monde rouler ici. C'est toutes des pères de famille. Ça roule avec leurs gars. T'as bien des gars qui sont en 26. Fait que, super old school là-dessus. Et qu'on peut aller vite. Oh my god. Des petites sections trail, tu sais, c'est vraiment faire attention. Même moi qui est assez avancé, faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je fais. Même genre de dénivelé qui est super bien utilisé. Les pistes en zigzag qui reviennent juste chercher un peu de hauteur comme ça ici. Pour pouvoir créer des beaux switchbacks, le fun. Pardon, j'avais de la terre en vous parlant. Fait que ça ici, la kangourou, j'ai failli manquer l'entrée. Ça ici, les deux petits trails à la gauche de la montagne. Fait que ça, on l'avait fait au début de la journée avec les jeunes. Oh! Ouais, c'est ça, ça me fait penser un petit peu à. Aux sources, pas beaucoup de dénivelé, mais très bien utilisé pour faire des belles pistes de enduro. Oh, oh, pas trop. Thank you. Wow. Ça ici. Fait qu'elle est vraiment plus naturelle. La 4 juste en haut va être un peu plus large avec quelques bons sauts. Ça de même. Prenez le dénivelé. Allez, hop, en arrière, de quoi qui marche pas. Ouais. Ah, ah. Ah. That was nice. Il y a du gros chunk pareil. Ouh! Hey, la fin est débile! La double noire! Fait que les boys avaient raison. C'est effectivement ma préférée. Ah. Belle piste old school, plein de loam. Pas facile à tout linker ensemble. Peu de place qui surprennent un peu. Ça a l'air d'être beaucoup ici que le monde se coach, se donne des idées de ligne. Ça, on a vraiment tout. On a du loam, on a de la slab, on a des virages, on a des drops en bois. Ça, faut que je me fasse attention dans le prochain. Fait que lui, on saute et on se ralentit. Je me suis frotté à la bourre sur ma 29 en arrière. Oh, oh, que ça peut être dangereux. Je commence à comprendre un peu plus la piste. Je vais aller rajouter de l'air dans Zeb parce que là, je pousse le bac un peu trop. Le drop! Ah! Oh, oh, que c'est bon! Ah! Oh. C'est le fun! Bon, les gars, de mon côté, ça va être la fin du mont Epic. C'était super le fun, super trippant. Fait que je vous invite à venir faire un petit tour. Regardez les dates que les poumons sont ouverts. C'est super le fun. Sinon, on monte sur notre pouvoir. Et sur ce, on voit un prochain épisode de Free Hot Québec.